Bon, eh bien, salut à tous, c'est Blue et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Uncharted 4. Comme vous pouvez voir, on s'est enfin enfui de la cathédrale. Et là, il ne nous reste plus qu'à retrouver Sully et direction Madagascar, si je me trompe pas. Allez, yes, c'est bon. Oh là là. Ça va être chaud, ça va être chaud. Bouge Sam. Voilà, à chaque fois il me bloque. Ok. On va recharger. Ok. Bon, je pense que c'est bon. Allez, on se dépêche, celui qui nous attend. Oh là, oh là, je glisse. Oh. Ok, on est passé de justesse. Je voulais voir un petit peu sur la gauche, voir un petit peu comment ça s'appelle. La vue et, et l'avion, parce qu'il y a celui qui nous attend juste en bas. Malheureusement, c'était une glissade. Je l'ai pas vu venir. Allez. Encore des glissades, toujours des glissades. Oh là là, ok, on y est presque. Allez. Ok, c'est bon, parfait. Go, go, go. Échappée belle, hein? De Dieu, ils ont canardé mon coucou, Nate! Heureusement, on n'a rien. Dans combien de temps on peut être à Madagascar? Alors, toujours pas de trésor. T'inquiète pas. Je vois pas pourquoi vous dites ça, regardez. On est riche. De Dieu. Disons que c'est un début. Et vous pensez que le reste est à Madagascar? On a trouvé une pièce dans laquelle il y avait une carte géante de Madagascar sur le sol, alors. Ouais. C'est une bonne piste. Ça commence sérieusement à sentir la chasse au deuil, ton histoire, fiston. Le trésor n'a jamais été en Écosse, en vérité. Mais à quoi ça servait, tout ça, alors? La croix de Saint-Dismas et le reste... Écoute, je te l'ai déjà dit. À mon avis, Avery recrutait des hommes. La croix, c'était une invitation. Les grottes, c'était juste une sorte de rite initiatique. Oh, on a réussi le test, alors. Super, Victor. On a gagné chacun un cache-œil et un perroquet. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait se donner tant de mal pour recruter des hommes? Il fallait bien qu'il se protège. Avery était l'homme le plus recherché de la planète à cette époque-là. Il devait s'assurer que ses recrues étaient dignes de confiance s'ils voulaient protéger leur trésor. Comment ça, leur trésor? Bah, écoute, réfléchis un peu. Thomas Tew était lui aussi un pirate d'exception en ce temps-là. Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien lui rapporter de rejoindre les rangs d'Avery? Ce que j'en pense, moi, c'est qu'Avery n'a envoyé de croix qu'à des pirates au moins aussi fortunés que lui. Et s'ils avaient décidé de planquer tout leur trésor au même endroit? Il y aurait de quoi faire passer le putain du Gunsway pour de la petite monnaie. Exactement. Oh, bon Dieu de merde. Ok, alors, où est-ce qu'on est censé aller à Madagascar, exactement? À la baie du Roi, c'est un endroit où les pirates venaient se réfugier à l'époque d'Avery. Oh, je connais bien, c'est plutôt étendu. T'as rien de plus précis? Eh ben, la salle de la carte s'est complètement effondrée, alors... J'en sais rien. Tu peux savoir ce qui te fait rire? Ceux qui survivaient à l'épreuve des grottes, les recrues. Quelle est la seule chose qu'ils pouvaient prendre avec eux? Il y a un volcan là-dessus. Et il y a aussi un volcan près de la baie du Roi. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à se manier le train. Salut, Nate. Salut, chérie. Ouh, bah j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Tout va bien? Oui, tout va bien. Pourquoi? Bah tu sais, on voit que ça à la télé, toutes ces inondations.
Peut-être qu'aller en Malaisie pendant la saison de la mousson, c'était pas une si bonne idée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça nous a pas facilité la tâche. Au contraire. On a eu des problèmes avec le matos, mais personne n'a été blessé. L'important, c'est que tout le monde aille bien. Alors vous commencez à travailler demain ? On doit décaler, pas le choix. À mon avis, il va bien falloir compter au moins 10 jours de plus. Oh, 10 jours ? Et pourquoi est-ce que j'essaierais pas de prendre un billet pour te rejoindre ? Bon, tu sais, ça vaut vraiment pas le coup. Tout va bien, je veux dire... Les gars ont tendance à surestimer les choses. Je suis sûr que ça nous prendra moins de temps que ça. Ok, je vois. Ne précipite pas les choses et fais bien attention. C'est promis, comme toujours. Ah, désolé chérie, mais il va falloir que je te laisse. Jameson est en train de me faire signe. Ok. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh waouh, putain, c'est beau. Quoi de neuf côté satellite, Victor ? Pour l'instant, absolument rien. J'ai perdu le signal. Hé, hey, vous savez avec quoi on perd jamais le signal ? Le papier. Voilà, cette route-là, elle devrait nous mener droit au volcan. Mais ça risque de secouer un peu. En voiture, tout le monde. Ok. C'est parti. Oh là là. Chapitre 10, les 12 tours. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ici ? La carte nous indique toutes les structures présentes autour du volcan. Quelques avant-postes abandonnés, et quelques tours de guet aussi. Des tours de guet ? Avery était l'un des hommes les plus recherchés au monde à l'époque. Alors s'il se cachait quelque part ici, il avait besoin de voir au loin. Et l'une de ces tours se situe pile sur le volcan. Avec le trésor d'Avery ? Croisons les doigts. Punaise, mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Je vois des ruines là-haut. Attendez là, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Réinitialiser la position de la caméra, ok. D'accord, en fait c'est juste un tuto de contrôle de la voiture. Oh les paysages, c'est grandiose. Punaise, mais qu'est-ce que c'est beau ! Ah, aucune. Tu peux me croire, c'est la première chose que j'ai vérifiée quand on a commencé à parler d'un volcan. Est-ce qu'on peut monter là ? Oui, on peut. Excellent. C'est plus froid que ce que je croyais ! Regardez, une grotte secrète cachée derrière une cascade. Messieurs, c'est une véritable aventure de pirate. Qu'est-ce que tu racontes ? Voyons voir, qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Ça se fait. La première fois que j'étais ici, c'était pour un échange. Les diamants volés. Évidemment. Ça a mal tourné. Et tout en étant on s'est découvert. Est-ce que c'est par ici qu'il faut passer ? Pas sûr, hein. On va checker un petit peu. D'accord, il y a un trésor, mais apparemment, rien d'autre. Non, on peut pas, ok. Donc finalement, c'est pas le bon chemin. Pourquoi pas ? Il y a même des chauves-souris et tout, excellent. Allez, on bouge. Allez, go. Je sais pas comment ça va rendre sur YouTube, mais là, sur l'écran de ma télé, c'est ouf, quoi. C'est super beau. C'est magnifique. Alors, par où passer ? Là, c'est la question du jour. Encore un pont, tout ce qu'il y a de plus fragile. Pas par ici, d'accord. Je vais bien trouver le chemin. On va essayer de prendre le pont. En montant par là. C'est vraiment trop classe. Ah, c'est la galère, là. Avec la boue. Ok, on y est presque. Ok, le pont. Parfait. Et tu veux pas aller plus doucement et tu restes. Oh là, c'est la galère. Ça va,
Allez, allez, plus vite. Non, 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 non. Ça va, tout va bien. On y est, parfait. Allez, on va grimper jusqu'au volcan. Je pense que c'est par là-bas qu'il faut aller, de toute façon. On a beau avoir une Jeep tout-terrain, je peux vous dire que ça glisse, hein. Apparemment, faut garder la piste où il y a les pierres. On peut pas passer sur les endroits où il n'y a pas de pierres. Ça glisse trop. Ça commence à rentrer. Et voilà. D'accord. Ah, c'est bien ça. Allez, accrochez-vous, les gars. Wow, il est loin, le volcan. J'avoue que ça doit pas être agréable pour le dos. Je pense pas qu'on soit au bon endroit. Là, des traces de pneus. Est-ce qu'il y a moyen de monter par ici? Oui. Oh, excellent, les petits lémuriens. Les singes, là. Eh, regardez là-haut, sur la pente. Il y a une sorte de tour. Là, ça devient intéressant. Voilà, on y est presque. Parfait. Oups. Je lave la caisse en même temps. Elle était bien crade là, avec toute la boue ou la terre. C'est super important, quand on fait du tout terrain, il peut pleuvoir, il peut y avoir de la boue. Et merde. Désolé. J'ai loupé la montée. C'est pas évident hein, de conduire dans... entre les rochers et tout. Ok, on y est. Alors, comment est-ce qu'on continue? En marche arrière, je sais pas si c'est la meilleure des idées. On va repasser en marche avant. Non! Ok. Phew. Allez, c'est parti. Alors, Nathan, tu penses qu'Avery, Tew et d'autres pirates super célèbres ont réuni leurs trésors et sont venus se terrer ici pour... pourquoi? J'en sais rien. Pour se protéger, peut-être. Pour pas tomber sous les griffes du gouvernement britannique. Bien sûr. Si ça se trouve, ils les aidaient à disparaître. C'était quand même un grand artiste pour se mettre de la dissimulation. Ok, ok, doucement. Oui, c'est bon. Bon, je pense qu'on peut pas monter... Ah si. J'allais dire, je pense qu'on peut pas monter cette pente. Mais apparemment, il y a des rochers. Eh non, on peut pas. Ah, oh, c'était bien tenté. Bon, je pense qu'on peut descendre. Allez, go. Une tour qui a des centaines d'années. Ouais. Ce sont bel et bien des ruines de l'ère d'Avry. Tiens donc, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, l'écorce a été arrachée. Quelque chose était enroulé autour de cet arbre. Ok, il y a peut-être moyen que j'accroche, j'allais dire la caisse, et monter la caisse en rappel. Pourquoi pas, vous me direz. J'ai vu Sam qui est passé par ici. Hop, loupé. Sam, regarde. C'est le sceau de Christopher Condant, capitaine du Fiery Dragon. Il était en opération à Madagascar en même temps qu'Avery. Alors peut-être qu'Avery recrutait des capitaines pirates, mais dans quel but? À faire des guerres? Ça n'a aucun sens. Non, vraiment aucun. Ou peut-être que chaque capitaine était responsable et devait fournir les hommes nécessaires. Quoi qu'il en soit, c'est certainement pas la dernière étape de notre périple. On a récupéré un trésor, est-ce qu'on peut continuer de monter? Là il y a une tour, j'aimerais bien pouvoir accrocher la bagnole en fait à l'arbre et ensuite monter en rappel avec la bagnole. Ça pourrait être super cool s'ils avaient pensé à ça. Alors voyons voir, est-ce qu'il y a moyen que j'accroche? Oui, parfait, punaise. J'ai de grandes ambitions pour ce travail. Je savais bien, je l'avais vu tout à l'heure. En descendant de la voiture, qui avait une sorte de crochet devant. Ouais, ce sont bel et bien des ruines de l'ère d'Avry. Bah voilà, nickel. On va faire ça, on va l'enrouler autour de l'arbre. Allez, un petit peu de nerf. Ah, je peux pas, je suis trop loin. Quoi? Non, me dites pas que je suis trop loin. Ok,
Ok, j'ai déplacé la caisse juste ici. Normalement, on devrait pouvoir enrouler cette fois-ci. Oui, parfait. Voilà. C'est ce qui nous manquait. Pousse bien. C'est plus raide qu'on le croit. Alors, ouais. Vas-y, essaie. Allez, c'est parti. On est presque. Tu vois, scellé. Un treuil, c'est indispensable. Parfait. On a franchi une côte, il en faudra un peu plus pour le rentabiliser. Ouais, d'accord. Mais c'est déjà une petite victoire. On est en train de fêter les plus grands. Allez, nickel, on est reparti. Non, non, non. Je vous jure, c'est la galère pour monter les côtes, les pentes. Wow, c'est super. Oh, c'est trop stylé. Vous êtes un pirate bien garde. Vous arrivez là, très loin du super moment. Allez, pauvre petit pirate oppressé. Tout ce qu'il voulait, c'était assassiner et finir en paix. Non, pas du tout. Ce qu'il voulait, c'était vivre en paix. En tout cas, dans le genre endroit pour fuir la société, on aurait pu trouver largement pire.